invité pour assister au sommet One Forest Summit dans la capitale gabonaise, Denis Sassou Nguesso a eu la mauvaise surprise dès son arrivée. Le dictateur congolais a été accueilli par le premier ministre du Gabon et non pas par le président Ali Bongo. Un traitement plutôt humiliant pour celui qui se considère comme un empereur. Le président Ali Bongo suspecte le despote Denis Sassou Nguesso de comploter contre son régime en finançant l'opposition gabonaise. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux avaient fait état d'une prise de la police gabonaise de l'ancien président de l'Assemblée nationale avec des valises d'argent revenant d'Oyo, village natal du dictateur Denis Sassou Nguesso. Lors du sommet de la CEAC qui s'est déroulé à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Ali Bongo a littéralement refusé de rencontrer Denis Sassou Nguesso, laissant ainsi toute une délégation, la délégation de Brazzaville, dans un état comateux. La présence du dictateur Denis Sassou Nguesso au sommet One Forest Summit est un échec au regard de l'accueil qui lui a été réservé. Conspué à l'international, le dossier de la gestion du bassin du Congo a été confié exclusivement à la République démocratique du Congo et au Gabon. Un camouflé pour l'ancienne ministre des Forêts, Arlette Soudan Nono. Macron au Congo. La flatterie avant le coup de poignard.